Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Domaine. Pour ceux qui me suivaient déjà ou qui ont déjà vu toutes mes vidéos, vous devez vous en souvenir. J'ai fait une vidéo découverte de ce terrain lorsqu'il est sorti. Et je vais être honnête avec vous, franchement, ça n'a pas changé depuis. Le terrain en soi est vraiment magnifique. On a de la chance d'avoir un site comme celui-ci. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce serait un petit peu ingrat de se plaindre de pouvoir jouer dans un château. Malheureusement, ce magnifique terrain manque totalement d'aménagement et surtout d'organisation. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas un grand fan d'objectifs, mais j'aime quand la journée est un minimum structurée. Là, sur Domaine, t'arrives le matin, déjà il n'y a pas de ZN. Donc tu te gares sur le parking, tu fais ZN dans ta voiture, ce qui est quand même assez contraignant. Il y a des jours, il y a un briefing, d'autres non. Et puis durant la partie, chacun joue à sa sauce, parce que bah forcément il n'y a pas vraiment d'encadrement. Après, je suis pas là pour critiquer le terrain et son organisation, c'est juste d'être honnête avec vous. Je sais qu'il y a des gens bah, qui font beaucoup de routes, qui viennent de loin, exprès pour tester bah, ce genre de terrain, et qui se retrouvent vraiment déçus à la fin de la journée, et c'est ce que je souhaite éviter. Comme ça, si tu viens tester Domaine, au moins tu sais à quoi t'attendre, et puis si ça se passe bien, bah au moins tu seras pas déçu. Alors, bien évidemment, il y a aussi des points positifs. Il y a moyen de faire des très beaux frags, des très belles actions, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y joue, et ça c'est cool. Mais je te laisse te faire ton propre avis en regardant la vidéo, et tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Bref, maintenant passons dans le vif du sujet. Avant de passer au gameplay, je te passe une petite minute de présentation d'un produit qui m'a été envoyé par Wentigris. Bon visionnage! Aujourd'hui, je te parle de la poche utilitaire Wentigris, qui est franchement pas mal. Je l'ai prise en noir, mais elle existe en différents coloris, tu peux la retrouver en multicam, en olive, etc. Elle fonctionne avec des attaches molles, comme la plupart des équipements que tu peux trouver sur un gilet tactique, ce qui te permet aussi de la mettre sur une ceinture, comme moi je l'ai fait sur la vidéo. Si tu te demandes à quoi ça sert, c'est une poche utilitaire, ça te permet de ranger tout ce que tu veux, c'est super pratique, tu peux y mettre les grenades, les chargeurs, les clés, les batteries, tout ce que tu veux. Pour ma part, j'utilise pour mettre des chargeurs supplémentaires. Dedans, tu as aussi un petit filet qui te permet de ranger les petits objets comme les batteries de GoPro, les piles, etc. Je connaissais vraiment pas Wentigris avant de vous présenter ce produit, mais j'ai vraiment apprécié qu'ils vendent directement sur Amazon. Ça, c'est top. Bah ouais, parce qu'avec Amazon, tu commandes, tu reçois ton colis super rapidement. En plus, si t'as le moindre souci, tu l'envoies, ils te remboursent sans poser de questions, c'est un vrai confort pour le client. Si t'es intéressé par la poche, t'as le lien directement en description, n'hésite pas à aller dessus. Et puis maintenant, place au gameplay. Attends, moi je parle. Vas-y, check toi, Ali. On peut descendre ici? Oui, on descend, on monte pas. La même. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se casser le pied. Ah, petit passe. Ah, petit passe. Bien joué, Yuri. Merci. Ah oui, bien joué. C'est un mot, hein. Oui.
Bien joué, Vata. Bien joué. Bien joué. Merci. Ça va les gars, ça va? Désolé les gars. Bien joué. Bien joué à toi aussi. Merci. Eh gros, je me suis pris tout le temps. Ah la bonne manière, tu m'as claqué l'épaule. Désolé mon ref. Allô, on est ensemble frérot et moi je suis en train de l'out. Ouvre tes yeux. Non, t'es. Il a pas senti, t'as tiré dans le sac, il a pas senti. Ouais, je sais, mais lui pourquoi il me rafale? Tu me vois pas? Je suis en noir total frérot. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer, je t'explique en vitesse. Je vois des gars dans l'escalier, je les push, j'en sors deux, il en reste un en bas. Donc je suis en train de faire mon duel contre lui, et t'as mon pote Ryan qui était dans l'équipe ennemie, donc en civil, qui arrive dans mon dos et qui me sort. J'ai pas senti au début qu'il me tirait dessus ou qu'il tapait dans le sac, mais c'est pas ça le plus important. En fait, c'est que le gars contre qui je faisais mon duel a tiré sur Ryan et l'a sorti. Du coup, bah on se retrouve dans une situation où personne comprend ce qui se passe, et c'est ça qui est bon. Bien joué Fino, bien joué! Oh, bien joué.
Ouais, je flash ma queen, on se calme ou quoi? Je me doute. C'était une bonne journée avec les potes, malgré le temps de merde qu'on a eu le matin. J'espère que t'as aimé la vidéo, que t'as aimé me suivre sur cette journée. Dis-moi ce que t'as pensé en commentaire, like et surtout abonne-toi. En attendant, on se retrouve très vite pour d'autres aventures et puis à la prochaine.